Eh bien, écoutez, c'est parti. Je suis très heureux parce que nous sommes, comme on vous l'a dit, place de la Concorde, comme vous pouvez le voir, au pied de la Grande Rue. Et nous allons être dans un instant avec Marcel Campion, qui est l'organisateur de ce moment pour le Secours Populaire. Alors, il y a plein d'enfants qui sont allés dans la Grande Rue, il y a plein d'enfants qui attendent pour les jouer un petit peu partout. Et il va y avoir distribution de jouets, distribution également à manger. Il y a des petites fées ici qui sont là. Ça va bien? Bonjour. Vous êtes là pour le Secours Populaire? Bien sûr. Eh bien écoutez, ça c'est merveilleux alors. Je fais le spectacle Mobile Mom dans la roulotte Mirella avec des petits poussets. Eh bien écoutez, comme quoi, vous voyez, c'est assez... Il y a de tout, hein? Il y a de tout. C'est magique. On est là pour offrir effectivement des cadeaux au Secours Populaire. Ça se passe bien, madame? Très bien. Tout va pour le mieux? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Il faut le mettre droit. À droit comme ça? Hop! Parce qu'on est, voilà, on est de travers, c'est ça? Voilà. Est-ce que c'est mieux comme ça? On va voir. On va regarder. Alors, il paraît que je suis de travers, il faut le mettre droit. Mais on est vraiment en direct. Et alors, tous les enfants sont ici, comme vous pouvez le voir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Vous êtes là pour le Secours Populaire aussi? Distribution de barbe à papa. Il y a des enfants partout. Ça va, les enfants? Ça va bien, regardez. Bonjour. Bonjour. Alors voilà, on est là pour le Secours Populaire. On offre, grâce à Marcel Campion ici, des barbes à papa. Avec, vous allez bien? Ça se passe bien. Ici, les enfants sont gentils. Bonjour. Je vois qu'il y a le bonnet du PSG 5-0 hier. Salut. Ça va? Tranquille. Ouais. Donc comme vous pouvez le voir, c'est que pour les enfants ici. Il y avait effectivement, on va distribuer des cadeaux. Ça va les enfants? Oui, ça va bien. Ici même, distribution de gaufres, regardez, et tout ça, c'est pour les enfants. Attends, c'est joli. Ça va? Ça va. Les enfants, ça se passe bien? Ok, oui. Bonjour. Je trouve que c'est assez génial parce que, pour tout vous dire, il y a des enfants partout qui sont venus et c'est juste pour le plaisir. Ça va, je suis droit maintenant? Ouais, c'est parfait. On est parfait. Il y a ici des enfants partout. Vous êtes en forme? Super. Ça a l'air de bien se passer. Et là, au milieu de la foule, c'est pas vrai, un grand homme. Mais non! Mais si! Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous n'êtes pas rasé! Non, je suis pas rasé. Il n'est pas rasé, mais qu'est-ce que vous faites? Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Christian. Christian. Vous êtes au courant, ça va, les enfants? Oui. Comment ça va, Christian? Ça va très bien, merci. Attendez, on va se mettre. Regardez, on est sous la grande roue. Ouais. Ici. On est sous la grande roue, et puis avec une multitude d'enfants. On voit vraiment pétiller dans leurs yeux toute cette magie de Noël. Ils sont super heureux de vous voir, Jean-Luc, et de me voir aussi. Et ça, c'est vraiment... Oui, c'est vrai. C'est vraiment amusant. Oui. Et effectivement, je crois qu'on est dans une belle journée de partage. Et je crois que c'est cette magie de Noël qu'il faut essayer de conserver. Et puis, on y contribue à notre manière. C'est plutôt agréable. Je voulais juste vous remercier parce que c'est vrai que quand Marcel Campion qui va arriver, il est dans les bouchons, mais on est vraiment en direct. On va leur dire qu'on est en direct puisque, voilà, il est 11h17, quelque chose comme ça. Et il y avait... effectivement, un appel pour tous ces enfants qui n'ont obligatoirement pas de Noël comme les autres. Exactement. Et quand je vous ai proposé, je l'ai proposé à Christian, et figurez-vous qu'il a dit, vous avez dit oui tout de suite. Mais tout de suite, à la seconde. Comment ça même. Se fait? D'après vous. Mais ça va pas, non? Ah, mais oui, non, mais bon, voilà. Se retrouver au quotidien depuis si longtemps dans cette émission-là, me rend compte, effectivement, maintenant. À côté de moi. À côté de quelqu'un qui apparemment connaît bien son métier aussi. Ah, et puis voilà, j'ai dit oui tout de suite parce que je suis dans cette communion-là et tout le monde là, est souriant, tout le monde est en train de dire voilà, c'est Christian, ça fait super plaisir. Et moi je leur apporte aussi un petit peu de mon temps et puis on va distribuer des cadeaux tout à l'heure, ça va être super. Le Secours Populaire est là vraiment pour faire des heureux. Donc on va en profiter un maximum. Alors bon, on parle juste un petit peu évidemment des 12 coups, ça secoue. Là c'est les 12 qui secouent là. Voilà, c'est vrai. Ça secoue fort. Ouais. Il y a quand même un événement, on parlera de Mattei parce que voilà, vous êtes père de famille, et je suis père de famille, on parlera de Mattei qui sera diffusé en direct ce soir évidemment.
Mais là, il y a quand même un grand événement qui arrive, c'est samedi soir, les 12 coups de Noël. C'est ça. Là, ça buzz un peu partout parce qu'ils veulent tous vous détrôner. Et oui. Et on sera effectivement aux 12 coups de Noël avec Christian en prime time samedi soir. Il faut pas manquer parce qu'il y aura quand même Xavier, il y aura quand même Hakim, il y aura Fanny. 4 invités people et je crois qu'on va passer un excellent moment, donc je compte sur vous pour nous regarder tous. On va faire une fête incroyable et croyez-moi, il y a des belles surprises aussi dans cette émission. Oui, il y a des belles surprises parce qu'il faut quand même expliquer aux téléspectateurs que ça a été enregistré et qu'il va y avoir plus que des surprises plus samedi que soir. Il va, y avoir de quoi regarder comme on dit chez moi et en plus on va faire des milliers d'heureux. Voilà, parce qu'on va amener un petit peu de joie pour des personnes qui vivent Noël seules. Et vous voyez la foule qui est là, ouais. Effectivement, ben, voilà, on apporte aussi... Il y a des milliers d'enfants qui sont heureux parce que, je le redis, mais grâce à Marcel Campion, on va offrir des cadeaux, on va offrir des peluches, des nounours. Et la grande roue est totalement gratuite. Je reviens tout de suite, on a un homme du Secours Populaire. Ne quittez pas. Vous vous occupez du Secours Populaire depuis combien de temps? Depuis l'année 2000, j'ai 17 ans. T'avais 17 ans. Oui. Et il y a toujours autant d'enfants qui sont là toujours, et vous faites toujours autant de plaisir et de bonheur à tous les enfants. Tout à fait, dans la mesure en plus, nous sommes secondés par des parrains et marraines prestigieux, oui. Dont vous. Ben oui, on est un peu parrains tous, c'est gentil. Ça super, et hélas, ça ne fait que grossir chaque année. Ben oui, voilà. Il y a de plus en plus de demandes et de plus en plus d'enfants. Et c'est vrai que là, on est sous la grande roue et il y a une ambiance de dingue. Pour vous, après de 17 ans, qu'est-ce qu'il y a de plus fort? C'est le plaisir des enfants. C'est le sourire qui nous donne les enfants. Par exemple, on fait les JOV, qui s'appelle les Journées des Ouvriers des Vacances. Ouais. Des enfants qui viennent de Paris, vont à la mer à Cabourg, et dans le bus, la mer, ils disent « Monsieur, c'est la mer ?» J'ai oui. Donc, ils n'avaient jamais vu la mer, et grâce au Secours Populaire, vous les emmenez voir la mer. Donc moi, je suis désolé parce que c'est bientôt Noël, j'ai envie de vous embrasser. Parce que ça nous fait plaisir de continuer à vous occuper de tous les enfants voilà, qui en ont besoin. Bonjour, voilà. Ça va bien? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut remercier également Monsieur Marcel Campion. Mais évidemment, c'est Marcel Campion qui est à l'origine qui est de tout ça. Pas de le, même pour le village des Champs-Élysées. Ouais. Et moi, je dis bravo, merci Campion. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est charmant. Vous voyez, ce sont des gens qui sont des bénévoles sur le Secours Populaire. C'est formidable. Et qui sont là pour le plaisir, pour le don de sa personne. Alors, c'est des gens qui donnent. Leur grand plaisir, c'est uniquement de recevoir des sourires des enfants. Ça n'a pas de prix. Hein, on est là, on est tous, chacun, en train de vivre Noël à son niveau. Ouais. Mais ce qui n'a pas de prix, au-delà même de la valeur d'un cadeau, au-delà même de la valeur de ce que l'on veut offrir à quelqu'un, c'est le sourire. Ouais, et le sourire dans les yeux d'un enfant, c'est quelque chose qui est inestimable. Ouais, là, c'est une espèce de folie. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Avant, je sais que Marcel Campion est dans les bouchons. Il y a ce qu'il y a de sympa. Je vais retourner. Il y a des clowns un peu partout. Regardez, on est vraiment ici en direct. Là-bas au fond, il y a la tour Eiffel, comme vous pouvez voir. Et puis là, il y a des enfants partout qui montent dans la rue. Dans la roue, pardon. Alors que ce que je vais... Venez ici, comme ça il y aura moins de bruit, Christian. Vous avez eu la chance aussi de voir en avant-première les Mathéis de la semaine dernière. Oui. Vous les avez vus. Oui. Et ce soir, c'est quelque chose quand même d'assez fort. Mm-hmm. C'est Slimane. Tenez, on va s'asseoir. Ouais. Regardez. Il y a Slimane qui fait son premier rôle, son tout premier rôle de comédien. Alors, je ne vais pas louper ça, c'est ouais. Sûr, parce que déjà le matin que j'avais vu en avant-première, puis ceux qui sont passés la semaine dernière m'ont énormément plu. Ouais. J'ai découvert un moscato absolument exceptionnel. Ouais. Et là ce soir, Slimane, je ne vais pas louper, je vais bien me caler devant ma télé, je vais regarder ça, et je suis sûr que ça sera un super grand moment. Alors voilà. c'est pas du cirage de pompe, moi je vous trouve vraiment... commandant, il faut pas dire mon commandant. Ouais. Je vous trouve commandant vraiment excellent dans cette série et je pense que voilà, il faut vraiment vous regarder et moi je serai le premier à applaudir devant ma télé ce soir. Et ce qu'il y a de très important quand même, c'est que on est là pour faire de la prévention pour les enfants. Exactement. C'est-à-dire que c'est une série qui est un petit peu intergénérationnelle, qui peuvent intéresser évidemment les enfants et qui intéresse les adultes et les grands-parents, etc. Parce que c'est quand même un peu le reflet de la société aussi. Tout à fait. Et puis en fait, ça met aussi en lumière tous les dangers auxquels sont confrontés les jeunes générations. Par exemple, le happy slapping, qui est une horreur. Ouais.
Je pense qu'effectivement, interpeller les gens par rapport à ça, je pense que ça peut faire éviter beaucoup de dérives. Donc je vous conseille d'abord, au-delà même du plaisir de la série, qui est inhérent à une très bonne série, très de bonne qualité, il y a aussi toute cette réflexion, je pense, que sur le monde des jeunes en danger, aussi tout ce qui peut se toucher à toutes les addictologies des jeunes et tout ça, je pense qu'il faut faire vraiment beaucoup de travail en amont. Et une série comme Mathéi, ça y aide énormément. Bah écoutez, c'est ce soir, alors effectivement il y a deux épisodes inédits ce soir, c'est à partir de 20h55 sur TF1, et il y en a un deuxième après. C'est vrai qu'il y a Slimane qui est sous les feux de la rampe et qui est très populaire, très médiatique, parce que c'est sa première apparition à Slimane en tant que comédien, alors que bon voilà, on l'a découvert en tant que chanteur à The Voice. Mais il y a un deuxième épisode après, et je crois que vous serez également très sensible, parce que c'est un papa qui s'appelle Olivier Barou, réalisateur des Tuches, et puis Olivier Barou, c'est le O de Cadéo, de Cadéo Olivier, et qui est effectivement un épisode très très fort, où un papa, un beau papa, a des problèmes avec un adolescent. Et à un moment donné, je pense que vous serez également touché par ce deuxième épisode. Enfin, je vous le dis parce que c'est un mec extraordinaire en plus, Olivier Barou. Je n'en doute pas, et je vais vraiment regarder ça avec beaucoup de plaisir. Et voilà, donc croyez-moi, faites comme moi. On va bien se caler ce soir et on va profiter un maximum. Eh bien, profitons encore. Est-ce qu'il est arrivé, Marcel? Alors, je vais aller voir Marcel Campion. Ah non, les cadeaux arrivent. C'est ça qui est super bien. Tu veux prendre une photo? Regarde, dis bonjour aux gens là. Bonjour, évidemment, allez prenez des photos avec plaisir. On va les prendre. Je vais aller voir les cadeaux d'abord. Excusez-moi, je suis en direct là, mais avec plaisir. Il n'y a aucun problème. Les cadeaux. Go-go. Alors, il y a effectivement les cadeaux. Alors, on a juste plein de messages. Donc, tu vois, ils nous regardent tous les jours, de Charente-Maritime, Sandrine Miraglio. On est vraiment en direct là. Il y a Catherine Ouest. Qui viennent de partager la vidéo, dites-leur que ça nous fait plaisir de vous avoir. On est là pour les enfants, on embrasse tous les enfants, bonne fête à tous les Français, nous dit Martine. On a Parisienne 7-4, et oui, Parisienne 7-4, hein. Bonjour Danmas, Fifi Palma, bonjour, bravo à tous les deux, pour les enfants et pour la distribution des cadeaux, bonne fête de fin d'année. Elle aime la voix de Zette. Alors Zette, non c'est pas elle. C'est moi. Elle est pas là. Bonjour, alors le monsieur veut une photo, ça y est, elle est en cours. Ça vous va la photo, monsieur? Pas encore, elle sourit. Elle sourit, voilà, ça y est. Très bien, merci. Merci à vous. Simplement, je peux vous donner un petit bonnet vert pour la distribution des cadeaux? Mais évidemment, on va faire la distribution des cadeaux. Alors tous les cadeaux arrivent. Tenez, mettez-le. Oh, il y a même Nicoletta, bonjour Nicole. Ça va bien? On est en direct sur mon Facebook. On est là pour le secours. Bonjour, populaire. C'est Nicoletta. Chaque année, bisous. Et chaque année, tu es là. Merci Nicole, c'est gentil d'être là. Est-ce que Marcel est arrivé? On a des magiciens. Là, je vous avoue qu'on est vraiment... Bonjour, ça va? Quelle belle journée. Oh, Jean-Luc, ça va? Et toi? Super, il y a les enfants, ils sont heureux. On leur fait de la magie, c'est super. Ouais, c'est vrai, on est là tous pour les enfants. Salut Jean-Luc. Allez, ça va? Bonjour, quelle belle journée. Ouais, c'est une très belle journée, on est là pour tous les enfants et pour le secours populaire, donc c'est très très bien. On est très heureux, ça nous rassure, ça nous réchauffe le cœur. Ouais, regarde. Oh, ça va ma puce. Tu vas bien ma puce? On se fait un bisou? Oui, regardez comme c'est mignon. Waouh! Ça va bien? Ouais! Ça se passe super bien. Ça me fait plaisir de vous voir. Allez, on va aller voir les cadeaux. Allez, Christian! Il y a de la magie. Tiens, regardez. Venez dire bonjour à la caméra. Il est bien le Christian. Joyeux Noël! Voilà, j'ai le bonnet et tout. Voilà. Joyeux Noël! On y va, on continue. C'est beau ça! Ça c'est... Allez, vas-y! Monsieur, prends une photo, monsieur! Oui, une photo, vas-y mon cousin! Attention, on fait des photos en même temps! Annie, c'est une heure, ça va? On a les photos, merci à vous! Ça va? Oui, j'arrive tout de suite, j'arrive! On est un peu dans la cohue, on va essayer de. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mec, je vous ai reconnu. Avec mon bonnet, je vais aller distribuer les cadeaux. Ah, c'est très, très bien. Oui, j'arrive. Oh, super.
prenez une photo, regardez. Là, il y a des millions de téléspectateurs qui sont en train de vous regarder. Quel est votre prénom? Abdel. Bonjour Abdel. Et merci d'être là pour le Secours Populaire. Merci. Quel est votre prénom? Bonjour. Je suis femme. Ah ben, Jean-Luc. C'est très très gentil. Merci à vous. Merci. Alors, bien sûr. Oui ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis bonjour, fais coco. Coco. C'est sympa, allez-y. Ben, c'est sympa. Restez devant surtout. Restez devant. Merci à vous. Merci. Oui, on fait des photos, on va les distribuer maintenant, les jouets. Et voilà. J'aurais voulu voir Marcel, mais apparemment, est-ce que Marcel Campion est arrivé? Est-ce qu'on sait? Non, je sais pas. Je ne l'ai pas vu. Alors ici, c'est tous les cadeaux, ça y est, ils sont arrivés. Regardez, ici, il y a des cadeaux pour le Secours Populaire, pour tous les enfants. Est-ce que ça se passe bien? C'est sympa, tous ces cadeaux-là. Regardez, ça c'est génial. Il y a tous les cadeaux pour les enfants. Jean-Luc. Hein, dans 5 minutes. Regardez, c'est tous les cadeaux pour les enfants. Ça va? Ça va très bien. C'est super sympa, Kenza, de faire tout ça. Ah, le voilà! Alors voilà, c'est là. Voilà. Là, je suis très très heureux de le voir. Ça va? Voilà. Alors, on est en direct sur mon Facebook. Ah, bon, très bien. Tu connais Christian? Enchanté. Ah oui, j'ai vu la télé. Bah voilà, c'est ça, tu as vu la télé. Moi, je suis très très heureux parce que, voilà, il y a eu un peu de retard, mais il y a des bouchons, tout ça. Je voulais juste te dire parce que, derrière là, moi, ce que je viens de déclarer, alors c'est un peu compliqué pour toi, il y en a qui veulent faire tomber la grande roue. Donc, j'ai dit que si on enlevait la grande roue, on enlevait l'Arc de Triomphe aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Peut-être la Tour Eiffel avec. Voilà, c'est ça. Juste, voilà, on est là pour le Secours Populaire, on est là pour toi, parce que c'est toi qui es à l'initiative de tout ça. Ça fait des années que tu fais ça. 30 ans. Ça fait 30 ans. Ouais. Donc ce sont des cadeaux, des jouets. Alors c'est des cadeaux que c'est l'ensemble des forains de Paris qui me charge chaque année de distribuer 1000 jouets à 1000 enfants. Et ça fait 30 ans que ça dure. Ça avait été initié à l'époque avec Guy Lux. C'était Guy Lux. Ouais, voilà. Et Guy Lux, il avait fait également envoyer des enfants en vacances qui n'avaient jamais vu la mer, etc. Ouais, c'était son truc, il adorait ça. Et moi, il y a 30 ans, il m'a dit, allez Marcel, il faut faire quelque chose. Donc ça fait 30 ans que ça dure. D'accord. Et aujourd'hui, tu as toujours autant de satisfaction quand on voit, on est passé avec Christian qui nous fait le plaisir d'être là, quand on voit tous ces enfants qui attendent et à chaque fois qui disent on va avoir un Noël, le Noël c'est la grande roue, le Noël c'est la place de la Concorde ici. Un petit déjeuner sur la place de la Concorde en plus et puis des jouets. Ouais. Voilà. Écoute, toujours aussi fier de ça? Ouais, toujours. Ouais. Et là, on ne demande pas de subvention. Aucune subvention. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, je voulais juste te remercier. Nous, on est là pour toi. Merci. J'ai vu qu'il y avait Nicoletta et quelques personnalités qui étaient là. D'accord. Mais c'était pour te dire que nous, on avait répondu présent. Et dès que j'ai demandé à Christian, est-ce que vous pouvez venir? Il est venu exprès. Merci encore. Et il est venu exprès. Bravo à vous. C'est absolument exceptionnel ce que vous faites. Et en plus, sachez quand même que M. Marcel Campion, ce soir il y a Mattei, mais il a joué dans un Mattei avec moi. J'ai fait un peu le trafiquant. Voilà, c'est ça, exactement. Donc ce soir il y a Mattei en direct. Ah, ben, on va regarder ça. Et ben, on va regarder. En fait, quoi qu'il en soit, je voulais juste te remercier pour tous les enfants. Et moi je te remercie d'être là. Il y a Nicoletta qui est là aussi. Et voilà. On est en direct. Christian, on se retrouve ce soir devant Mattei. On se retrouve ce soir, tout à l'heure sur les 12 coups. Oui. Et puis ne loupez pas Mattei et surtout joyeux Noël à tous. Voilà, joyeux Noël à tous. Et merci encore à Marcel Campion parce que voilà, sans toi ça n'existerait pas. Merci à toi. Bonjour Valérie. Ouais, bien évidemment. Regardez, il y a même Valérie qui est là. C'est Valérie Trier. Belle heure, bien sûr. Ça va, Valérie? Ça va. Heureuse d'être là pour les enfants. Oui, toujours heureuse, moi, d'être là avec les enfants du Secours Populaire. C'est génial. C'est merci génial. Pour Marcel et merci pour tous les enfants. Pour les enfants. Valérie Trier-Veller, il y a plein de personnalités qui sont un petit peu là. Voilà, tous ces cadeaux vont être distribués. On est très heureux. On est sur la place de la Concorde. Je vous donne rendez-vous évidemment à midi pour les 12 coups avec Christian. Et puis ce soir pour Mattei. Quoi qu'il en soit, on sera toujours là. Je vous embrasse. Et tu disais quoi? Il y a beaucoup de commentaires. Ah, énormément de commentaires. Et tout, ça réagit beaucoup. Ça réagit énormément. Ben, on est super contents. Voilà, à très très vite. Et puis, vive la grande roue. Et joyeux Noël! Bon, qu'est-ce que c'est bon là?